les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. Deuxième ou troisième vidéo de la journée, je ne sais plus, celle-là n'était pas prévue, mais j'ai été contacté tout à l'heure via Twitter par un abo, tout simplement, qui m'a demandé si je pouvais invoquer sur son compte en live. Malheureusement, il voulait que j'invoque assez rapidement, moi je pouvais pas parce que je dois partir juste après, etc. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te le fais en vidéo, si ça te va. Il me dit, ok, bah let's go. Donc du coup, il m'a passé son compte pour que j'invoque sur son compte en version globale, évidemment, comme tu peux le constater. Pour que j'invoque tout simplement sur le Vegeta Blue Evolution, le Vegeta Blue Diamond, le Vegeta Blue énervé, appelle ça comme tu veux, on s'en fiche. Bon, le nom officiel c'est Vegeta Blue Evolution. Enfin bref, on va invoquer pour tenter de lui dropper. Il a déjà claqué pas mal de DS pour tenter de l'avoir. Il a repris quelques packs là juste avant que j'invoque parce qu'il le veut vraiment. Et comme tu peux le voir, sa box est assez énervée. Peut-être l'une des box les plus fortes, enfin en tout cas que je connaisse, en termes de box française les plus développées de Sword of Khan Battle. Hein. Il y a peut-être match avec Drink, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une des plus grosses box que j'ai vues en FR, clairement. Hein, comme tu peux le voir, il y a quand même toute une pelletée de LR qui se balade par-ci, par-là. On a même du LR 100% par-ici, par-ci, par-ci, par-là. On a tout un tas de personnages qui sont faits et qui ont été farmés. Voilà, c'est une box assez monstrueuse. Et donc, du coup, on va essayer de lui dropper le petit Vegeta Blue Évolution, les amis, en espérant que j'ai un peu de chance avec que j'ai un peu de chance tout simplement moi sur son compte, plus que lui n'en a eu a priori. Il n'y a pas de DS à récupérer ici, puisque lui n'a pas réussi à l'avoir précédemment. Du coup, sur le portail, nous avons Jiren Sama. J'ai pas trop fait gaffe, mais il doit lui manquer quelques doublons certainement. On a le petit Gohan. On a je sais même plus comment elle s'appelle, la casse-couille en haut à droite. tout simplement. On a Topo et. Et qui on a aussi encore, j'ai pas fait gaffe. Donc le Vegetable Evolution, le Gohan Ultime. Le Jiren Sama, Topo, Dispo, voilà, Dispo qui était là aussi, Ribrian, mon dieu Ribrian, C17, et puis après deux petits SR pour monter l'aspect. Donc clairement, si je pense pas qu'il l'ait 100%, j'ai pas fait gaffe s'il a 100% rip, mais s'il l'a pas 100% sur un drop des doublons, c'est cool. Et pareillement, évidemment, on essaie de lui choper le Vegeta Blue Evolution, qui est une unité plutôt sympathique, même si je trouve qu'elle aurait mérité d'être un chouïa plus puissante. Même si elle l'est déjà quand même assez pour faire ce qu'on a à faire dans The Khan Battle. Bref, sur ce les gars, on est parti pour les invocations. Je compte sur toi pour lâcher ton méga Blue Evolution pouce bleu sur la barre des pouces bleus. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 80K sur la chaîne et je vous remercie. Pensez aussi à activer la cloche pour les notifications, on ne le répétera jamais assez. Et à me suivre sur les réseaux sociaux juste en dessous. Tout simplement... parce qu'il va y avoir quelques petits concours sympathiques bientôt. Noël approche et ça veut dire des cadeaux, ça veut dire des cartes à gagner, etc. Non, donc il faut vraiment me suivre sur Twitter et sur Snapchat si tu veux gagner un peu d'argent ou des petits cadeaux dans les semaines qui arrivent. Sur ce les gars, on est parti, let's go, première multi-invocation en espérant lui dropper du sale assez rapidement. En tous les cas, il m'a dit de dépenser ses Dragonstone, même si on le drop rapidement, donc peut-être pour choper du doublon, c'est une possibilité. Alors pour l'instant, nous avons Kuririn Sama et Piccolo, tandis que moi je vais me mettre le son les amis, si ça ne vous dérange pas. Voilà, vous aurez une petite musique d'ambiance comme d'habitude. Et moi j'aime bien invoquer, entendre au moins le son du jeu, sinon j'ai l'impression de vraiment être un sgeg devant mon écran, à parler sans aucun bruit, sans rien, ça me stresse. Bref, let's go SNJ2, rien d'incroyable en termes d'animation pour le moment de notoire, hein. Je bégaye, ça y est, c'est parce que je suis sur un compte global, et du coup je bégaye, c'est terrible. Petit Hoy, est-ce qu'on prononce une seule fois son putain de prénom dans le film de Tapion à Jean-Paul, là? J'ai pas souvenir qu'on dans la VF, en tout cas, qu'on prononce son putain de prénom. Dites-moi dans l'espace commentaire, enfin son nom. Il me semble pas. Peut-être que j'ai zappé aussi, hein. Mais bon. Ah, El Famoso, plus beau SR, plus bel artwork SR du jeu. L'un des plus belles artworks. Le petit Bardock technique, bon clairement on n'est pas content de dropper, hein. C'est pas vraiment ça qu'on voulait. Je vais rabaisser peut-être un peu l'écran. Voilà. Espérons qu'on ait du Vegeta Blue Evolution Rapidos. Moi sur ma jab je l'avais droppé Rapidos, je crois, lui, le Vegeta Blue Evolution. Je l'avais droppé assez facilement, contrairement à d'autres SSR que je n'ai jamais droppé. Mais lui je l'avais eu plutôt simplement. Donc j'espère que ça va se reproduire les gars. Allez, le petit kiwi, d'ailleurs ça me fait penser que les kiwis c'est bon pour la santé. Par contre ce C17 c'est vraiment pas bon pour la santé, hein. Si tu drops ce C17 là, il est dit qu'au bout du 5ème tu meurs du cancer. Et donc du coup clairement il faut faire attention, hein. C'est déjà le premier de la vidéo, plus 4 et on est dans la merde. Allez on enchaîne, prochaine multi-invocation.
Let's go, pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent lors de cette première multi. Nous avons 4 personnages, nous avons le Vegeta sur la droite, ce qui peut peut-être nous indiquer une fusion incoming. Pas du tout. Pas du tout, mais... Ah bon? On a eu que le SSJ, c'est terrible! Ah bon? Bon bah très bien, bah, une belle animation du coup de merde, hein, comme on les aime, avec un petit Lilian qu'on drop pour commencer. Ok, ok, why not? Écoute, Dr. Gero, Gero-sama, Kaioshin, ok, Zarbon. Bon, heureusement qu'on a le SSR garanti désormais, parce que sinon ça aurait été multi sans SSR, ce genre d'animation là, la con là. Goku Tech. Non, Endurance. De la bouffe pour Baba, tout ça, hein. De la bouffe pour Baba, hein. Ah tiens, bah Jean-Paul, justement, dont on parlait tout à l'heure. Petit Bardock SR. Aïe, 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 mais quel est ce taux de drop? Quel est ce maléfice, les amis? Quel est ce maléfice? Aïe, 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 aïe. Bah, si on se met à dropper des Ozaru, les amis, là, ça va pas le faire, hein. Si on se met à dropper du Ozaru, ça va être très, 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 très compliqué. Bon, pour l'instant, deux multi. Et clairement, hein, de la merde, hein. Il n'y a aucun personnage pour sauver nos multi pour le moment. Il nous reste 3 multi-invocations à faire. On espère que la roue tourne va tourner, comme dirait un célèbre philosophe français. Allez, le Rainbow. Il a parlé, Shikala, Shikada, je sais pas trop quoi, SJ2. SJ3, Godku. Donne-moi Godku au moins, mec. Excite-moi, quoi. Excite-moi au moins. Gohan Ultime, ok. Nail. C'est pas vraiment ce qu'on cherche, les amis, hein. Vraiment pas, hein. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Yamu. Yamu, Yamu. Great Sayamanda. Nail, hein, le Nail, le Fist, hein. Le Fist Nail, comme tu peux le voir, là. Il est comme ça, là. Fist Nail, on va l'appeler désormais. C18. Sur quoi elle est assise, on sait pas, hein. Sur rien, hein. Allez, Raditsu. Putain, mais c'est quoi ces multi, les gars? Vraiment, elles sont dégueulasses, hein. Gohan, ok. Virus. Allez, maintenant! Rild, bon. C'est la tristesse. C'est la tristesse, hein, c'était une multi sur le portail technique, non? 2, 2, 4, 5, 6, 6 tech sur 10. Ça fait beaucoup. Il nous reste donc 2 multi-invocations pour tenter de dropper ce Vegeta Blue Evolution. Je compte sur vous, les gars. C'est parce qu'il manque un chouïa de pouce bleu. Il manque un chouïa de puissance. Il a besoin de votre énergie, Vegeta, pour se ramener, les gars. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour se ramener. C'est parti. Envoyez-lui l'énergie. Envoyez-moi l'énergie pour le dropper, pour l'abonner. Hein, El Fidelou, Motherfuck, comment il s'est appelé sur son pseudo. Je viens de voir son pseudo, en fait. J'avais pas capté. Ok. Why not? Allez, avant d'en un multi, les gars. Allez, let's go. Please. Yamcha, Goten. Ok. Pas de Rainbow. CJ1. CJ2. Niveau animation, on n'est pas gâté, hein, les frérots. On n'est pas gâté. C17. Ouais. Ok. Tenshinhan. Je crois qu'il est, il apparaît un peu comme ça, genre en mode avec les mains écartées, là. Vegeta Blue Evolution, là. Si mes souvenirs sont bons. Table. Son Goku. Son Gokuda. Un des premiers Goku, je crois, qui est sorti sur Dokkan, cette espèce d'artwork SR, là. Totepo, con, à l'ancienne. Salami. Ah, on l'appelle comme ça, parce que Shizami, c'est moche. Salami, au moins, ça nous fait penser à la bouffe. Bidel Sam, qui, elle aussi, a envie de fister, les amis. Pauvre Gohan. J'espère qu'il va s'en sortir ce soir. Le Vegeta. Hein, voilà, on essaye de s'emballer pour ce qu'on peut, ce vieux Thalès tout pourri qu'on veut plus maintenant, en 2018. Le Thalès Intel, c'est terrible. On enchaîne les multi horribles, les amis. J'ai l'impression que ce portail, il pue un peu le caca, hein, sans vouloir... alors, c'est moi qui ai pas de luck, mais... mais j'ai vraiment l'impression qu'il pue le caca. Allez, dernière multi, let's go, les gars, c'est parti. C'est celle-ci. C'est celle-ci où ça va tomber. Oh, j'ai cru qu'il y avait Hercule Satan sur Bou. Ok, Bou avec Yamcha. SLJ. One. Two. Patrie. Voilà. Patrie. Dommage. Allez, c'est la dernière. On y croit. Il peut arriver à tout instant ce Vegeta Blue Evolution. Non, c'est pas vraiment Vegeta Blue Evolution. Là, c'est plutôt Goku Blue Cancer Ition qui vient d'apparaître. Goku SLJ 2 GT. Ok, 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 ça ne sera pas le dernier SSR de la multi.
Hercule Calvi 6 Satan, C19, C18, Ginyu, Tokyo Sentai, Frieza première forme, allez, allez, et non, donne-moi le putain de Vegeta Blue Evolution, là maintenant. Bardock Timebreaker, ça me fait penser qu'on va avoir le Vegeta Timebreaker sur la version japonaise du jeu. Et malheureusement, c'est la meilleure unité qu'on ait poule durant cette vidéo pour vous dire à quel point les poules étaient dégueulasses. Bon, bah, j'espère que ceux qui ont invoqué là-dessus ont eu plus de chance que moi. En tout cas, c'était pas terrible terrible, hein, faut le dire. Désolé mon ami, j'espère que tu auras plus de luck si tu comptes remettre derrière. Parce que là, c'était, je l'avoue, vraiment dégueulasse au niveau des drops. Aucun personnage à sauver, à part peut-être ce Bardock Timebreaker, mais bon, le 29 octobre 2018, il est un peu dépassé quand même. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Pensez à partager, à lâcher la pince bleue, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt. Biscuits love peace. Ciao.